Salut les amis! Alors, c'est moi donc, Nightplan, hein? Enfin bref. Enfin plutôt, bienvenue sur la chaîne de Nightplan. Donc voilà. Alors, j'avais déjà fait mes premières vidéos, donc ça concernait donc un mini canon, donc en bois, donc que voici. Donc j'ai fait pas mal de modifications, surtout venant de deux personnes qui avaient commenté ma première vidéo. Donc franchement, j'ai sué leurs conseils. Et franchement, je les remercie énormément. Donc, c'était vraiment une très très bonne idée. Donc voilà. Alors, quelques modifications. Déjà, j'utilise deux morceaux de tissu pour faire un joint d'étanchéité. Donc voilà. Et j'utilise une bille de 19 mm de diamètre. Donc voilà. Pour un trou qui est déjà beaucoup plus gros, de 20 mm de diamètre. Donc voilà. Donc. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le tout de poudre noire. Allez, on va remplir tout ça. Oh, hop là. Alors attendez, j'ai oublié un petit truc. Hop là, on n'a rien vu. Voilà, donc on va bien remplir le petit truc là-dedans. Alors. Avec la poudre noire. Donc voilà. Donc je vais commencer par dite petite spatule. Hein. Donc voilà. Et puis j'en mettrai le double. Donc 20. Donc 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, merde, 9, putain j'en fous partout, 10. Voilà. Ok. Voilà. Après, donc je vais pouvoir tasser tout. Donc je mets deux morceaux de tissu, comme ça. Voilà, donc ça fait un petit sac. Voilà. Ça force un peu, ce qui est nickel. Voilà. Là, le système d'allumage est ici. Hein. Donc ce sont deux petits fils. Hein. Voilà. Hop. Tac. Je branche. Voilà. Ok. Et ben ça me paraît pas trop mal. Donc voilà. Donc là c'est chargé. Et donc avec une belle échelle graduée. Et la plaque. Donc j'avais déjà fait un essai. Donc vous voyez, il y a un petit peu de poudre. Des trucs comme ça. Donc on va voir si après on va avoir un impact. Donc on voit ça tout de suite. Allez, on range tout. Et c'est parti. Alors juste comme ça, bien sûr, je vous montrerai des ralentis. Hein. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer donc des séquences de image par image. Parce que c'est vraiment très très impressionnant. Donc voilà, alors c'est parti. Voilà, allez. Lancement dans 3, 2, 1. Oh putain! Oh la vache! Putain! Ah, ça a été super fort, hein! Ouh, ça sent la poudre noire! On en a mis à port, quoi! Alors, la bille, je l'ai entendue. Ah, ça y est, la voilà! Ouais! Est-ce que. Oh, elle est un petit peu chaude! Voilà, putain! Ça a été plus fort que je pensais! Alors, voyons voir. Yes! Regardez. Alors, attendez. Voilà. Ça, c'est Abby qui vient de le faire. Bon, vous savez quoi? On va s'amuser. On va mettre le double, soit 20 grains, 20 petites spatules. Allez, on y va. Ne bougez pas. Donc, voici ce que ça correspond. Hein. Voilà, donc tout ça. Oula, il y a du vent. Attendez, je vais charger ça tout de suite et puis je vous explique après. Hein. Voilà, donc c'est tout est chargé. Hein. Et petite chose assez exceptionnelle, c'est que je vais laisser la caméra ici
puisqu'elle est équipée de grande vitesse. Donc voilà. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça fait. Alors attendez. Est-ce qu'il y a moyen? Ouais. Non, pas vraiment. Alors attendez. Voilà. Ça me paraît un peu mieux. Ok, donc là ça filme. Donc voilà, surtout ne bougez pas. Allez. 3, 2, 1. Bon, c'était un petit peu moins fort, mais au moins ça marchait. Donc voilà. Allez, ne bougez pas. Je vais aller vous montrer ici l'image. Donc. Le ralenti, donc image par image, ne bougez pas. Voilà, donc ça y est, alors voici les images. Donc tac, voilà, on voit le projectile qui s'en va, il est au niveau de la fenêtre, le petit jet de flamme assez sympatoche qui vient percuter donc la plaque. Voilà, franchement, pour un appareil photo qui filme à 30 images par seconde, c'est vraiment, mais alors pas mal du tout, franchement, je trouve. Donc voilà, donc on va faire juste un petit truc rapide. Donc voilà, sachant que ça filme à 30 images, donc la règle qui se trouve là fait 50 cm de long. Donc voilà, hop, environ 30 cm plus loin. Donc on peut évaluer la distance qu'elle parcourt dans un temps précis. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà fait les calculs. J'ai eu le temps de le faire. Donc juste avant de vous montrer ces images. J'ai calculé que le projectile filait, je vous mens pas, un peu plus de 315 km/h. Donc voilà. Donc franchement, pour un petit canon en bois fait dans un cage tout pourri comme le mien, c'est vraiment, mais alors pas mal du tout. Donc voilà. Allez. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc en bonus, bien sûr, à la fin, je vais vous mettre les ralentis les ralentis de mes exploits précédents. Donc voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Donc, si par hasard vous avez des questions à me poser, de toute façon, j'ai l'intention de faire une vidéo spéciale FAQ. Donc, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer toutes les photos que vous voulez. Franchement, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vert, ça sera sympa. Ou partagez tout simplement cette vidéo avec les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, ciao!